Hello, everyone. Good evening. Good evening. I am Pastor Sanford McQueen, and I'd like to welcome you all back to the study today. I am a minister on staff here at Word of Faith International Christian Center, have been for the past 10 years now, and a part of my role is to serve and support in this area of Keith Butler Ministries. And this is one of the examples of how I get a chance to do that. And that's teaching classes like you. Oz for the interpreter. Oh, yeah. Praise the Lord. Let me start again. Good evening, everyone. Bonsoir à tous. It's good to have you with us here again in class. C'est un plaisir pour nous de vous avoir encore pour une session en classe. My name is Pastor Sanford McQueen. I'm a minister on staff. Mon nom est Pasteur Sanford McQueen et je suis un ministre de Dieu. I have been serving and supporting Keith Butler Ministries for about 10 years now. J'ai servi et supporté dans le ministère KBM pour une affaire de 10 ans maintenant. I have a strong educational background in pastoral care and ministry. J'ai un très fort background éducationnel et une sérieuse formation en ce qui concerne le ministère. On a personal note, I've been married for almost 50 years. I have children and grandchildren as well. J'ai été marié pour une affaire de 15 ans maintenant et j'ai des enfants et des petits-enfants. So now that you have a little information about the instructor here, I'd like to say welcome back to everyone who's returning to class. J'aimerais bien vous recevoir encore une fois de plus à tous ceux qui ont pu se connecter pour cette session. Let me give you some important information here about our internet connections. J'aimerais vous donner juste quelques petites informations concernant notre connexion internet. Because we join at various internet connection speeds. Parce que nous sommes connectés avec différentes connectivités de rapidité. It may be necessary that we have to cut our video and go only to audio. Il serait pour nous important de pouvoir couper notre vidéo et de n'utiliser que notre audio. But we're praying and believing the Lord that we won't have to do that. Amen. Nous croyons que le Seigneur permettra à ce que nous n'ayons pas à faire cela. Amen. The sessions are recorded and they will become available to you in a few days. Cette session est enregistrée et elle sera disponible pour tout un chacun de nous dans très peu de temps. Just so you know, we have people joining us from France and Belgium. Vous devez savoir que nous avons des personnes se connectant de France ainsi que de Belgique. Others are joining from Switzerland, the Congo, and even other countries as well. Ainsi que de la Suisse, du Congo, ainsi que d'autres pays à travers le monde. Praise the Lord. So with that being said, let's begin with a word of prayer. Nous allons bien commencer avec une prière d'ouverture. Heavenly Father, we thank you for this day and for the strength of your love. Père Dieu, nous te disons merci pour ce jour et pour ton amour. It is such a blessing to know, Father God, that you have loved us so tremendously. C'est pour nous un privilège de savoir que nous sommes réunis en ces lieux pour cette session. That you sent your Son Jesus Christ to be our Savior and Deliverer. Et que tu aies envoyé Jésus-Christ, ton Fils, pour être notre Seigneur et Sauveur. And Father, as we look into your word, we come to understand your plan for us. Père, alors que nous serons en train de regarder dans ta parole, nous prions à ce que nous parvenions à comprendre ce que sont tes plans pour nous. And so we thank you for the direction and the wisdom that we get from the study of your word. Nous te disons merci, ô Dieu, pour la direction et la sagesse que nous recevons de ta parole. I pray, Father God, for every student that is in attendance. Père, nous prions pour chaque étudiant qui est participant ou participante à cette session. I pray that the truth and the power and the wisdom of your word will come alive in their hearts. Nous prions, ô Dieu, que la vérité,
que la puissance et que la sagesse de ta parole sera vivante dans la vie de chacun d'eux. And I pray, Father, that that truth and wisdom from your word will lead them into every blessing. Et nous prions, Seigneur, que la vérité et la sagesse de ta parole les conduira dans la bénédiction qui est dans ta parole. And so we thank you even in advance for this information. Nous te disons merci en avance, ô Dieu, pour ces informations que nous recevrons. And for the power to get wealth. Et de la puissance que nous recevrons de devenir riches. In Jesus' name we pray, amen. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. All right. So the title of our new study is Giving God's Way. Alors, le thème de notre étude de ce soir est Donner selon Dieu ou encore donner à la manière de Dieu. We prayed just a moment ago because we believe that God has a plan for our lives. Nous en parlerons parce que nous croyons que Dieu a un plan pour nos vies. Not only concerning spiritual things, but also physical and financial things as well. Un plan qui ne concerne pas seulement les choses physiques, mais aussi qui concerne des choses spirituelles et financières. When we go to the store and we buy a new product, it could be anything, a vacuum cleaner or, let's say, a washing machine. Quand nous allons dans les supermarchés et que nous nous procurons ou que nous achetons une machine à laver, par exemple, those products have been built and made for specific purposes. Ces produits que nous voyons dans les supermarchés ont été faits ou encore fabriqués pour une raison spécifique. God has created us to do life with him for specific purposes. Dieu nous a créés afin que nous puissions vivre nos vies avec lui pour une raison spécifique. And so the best information that we can get about finances comes from God. Alors, le meilleur endroit ou encore le meilleur endroit où nous pouvons recevoir des informations concernant les finances est dans la parole de Dieu. What we want to do as we study the word is understand how to work with God. Ce que nous voulons est que lorsque nous serons en train d'étudier la parole de Dieu et que nous devons comprendre la volonté de Dieu. It's important for us to understand that we are in partnership with God. Il est pour nous important de comprendre que nous travaillons en partenariat avec Dieu. There are things that God has committed himself to do. Il y a des choses que Dieu s'est lui-même accaparé de faire. And there are things that we must commit ourselves to do to be successful in our walk with God. Et il y a des choses que nous devons personnellement nous engager à faire afin que nous puissions être très successifs dans notre vie. So listen to this passage of scripture from Philippians chapter 4, verse number 19. Alors rapidement, nous lirons les Écritures dans le livre, dans l'épître de Paul aux Philippiens. Yep, so if you just read that for us, brother. Rapidement, nous sommes dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 4, le verset 19. Is it my turn? Not yet, sir. Okay. I am getting there. All right. L'épître de Paul aux Philippiens, le chapitre 4, le verset 19. La parole de Dieu déclare: Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. You can go ahead, sir. So the Bible says that God will supply all of your needs according to his riches in glory by Christ. Alors la parole de Dieu est en train de dire que Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. So think about that for a moment. Essayez un peu de penser par rapport à cette écriture avec moi. And as you think about it,
We could ask ourselves a very important question. Et alors que vous méditez ou pensez sur cette écriture, nous pouvons cependant nous poser plusieurs questions. The question is, if God wants his children to prosper, why are so many of them living in poverty? Alors ici, la question est, si Dieu veut que ses enfants puissent être prospères, pourquoi il y a tant de personnes qui vivent encore dans la souffrance? The answer is that many of them don't have the right information. La réponse est que plusieurs d'entre eux n'ont pas encore reçu des bonnes réponses. We need to understand that we have a part to play in our prosperity. Nous devons comprendre que nous avons une part à jouer en ce qui concerne notre prospérité. We cannot live any way we want to and do anything we want to and expect God to bless us. Nous ne pouvons vivre notre vie à la manière dont nous le voulons ou encore n'importe comment et encore espérer et encore croire que Dieu pourra nous bénir. Somebody say amen. Que quelqu'un dise amen. Hallelujah. This study will show you the way to have all your needs met. That's good news. Alors, ces cours vous aidera à avoir ou encore à comprendre comment avoir tous vos besoins être remplis. Et cela est une bonne nouvelle. And I'm not talking about having all your needs met when you finally get to heaven. Et je ne suis pas en train de parler d'avoir vos besoins accomplis lorsque vous serez au ciel. We're talking about having your needs met right here, now, in this life. Nous sommes en train de parler d'avoir vos besoins accomplis pendant que vous viviez toujours sur terre. Understand it this way. Comprenez ceci. Just like a farmer watches over the natural seed that he plants in the ground. De la même manière qu'un fermier surveille la semence qu'il a placée dans le sol. You know how it goes. The farmer plants the seed in the ground, he waters the seed, he watches after the seed, and then he gets a harvest. Vous savez très bien que le semeur plante sa semence, il arrose la semence, il prend soin de la semence, et ensuite, il a le produit de sa semence. Il moissonne sa semence. In the same way, we must do some things to produce a harvest for us. And we're talking about financial. Et de la même manière, il y a des choses que nous devrions faire afin que nous puissions être à mesure de moissonner une semence que nous avons eu à semer. If we could take a lot of information and say it in just a few words, si nous pouvons prendre plusieurs informations et les compresser en un seul mot, we could say this. There are three things that God requires so that you can have your needs met. Nous dirons qu'il y a trois choses spécifiques que Dieu demande afin que vous puissiez avoir vos besoins accomplis. Those three things are obedience, faith, et trois. Ces trois choses sont l'obéissance, la foi et finalement, can I have the last one, please, sir? Seed. S-E-E-D. Seed. OK. Ces trois choses sont l'obéissance, la foi et finalement, la semence. Yes. Those three things. Obedience, faith and seed. Ces trois choses, l'obéissance, la foi, la semence. Now, we could spend the rest of our time today just talking about the first one, and that's obedience. Alors, nous pouvons passer tout le reste de notre session ce soir en train de parler de la première chose qui est l'obéissance. If there are any parents out there, you'll understand what I'm about to say. Et s'il y a un parent juste là, vous comprendrez bien spécifiquement de quoi je suis en train de parler. A parent's responsibility is to give watch over their children. La responsabilité première d'un parent est celle de veiller sur ses enfants.
to teach them and to train them about the important things in life. Les enseigner et les former concernant les choses les plus essentielles et importantes de la vie. And the parent knows that what they are saying to the child is wisdom. Et les parents savent que tout ce qu'ils ont dit à leurs enfants sont de la sagesse. Speaking to the parents again. Toujours en train de parler aux parents. Isn't it a blessing when you tell your child something to do and they do it right away? Vous aimeriez bien voir vos enfants faire aussi tôt ce que vous leur demandez de faire. And this is what God is expecting us to do. He's expecting us to be obedient quickly. Et c'est de la même manière que Dieu nous veut faire les choses. Il nous veut être obéissant instantanément. It's one thing to know what to do, but it's another thing to do it. Il est une chose de savoir ce que nous devrions faire, et il en est une autre de la faire. So, once you have faithfully done your part in obeying God, alors, lorsque vous avez fidèlement accompli votre responsabilité en obéissant Dieu, believing him and sowing your seed, croyant en lui et en plantant votre semence, then your days of reaping are sure to come. Alors, les jours de votre moisson sont à venir et ils arriveront certainement à arriver. So far, we're saying that God is dependable. Alors, nous sommes en train de dire que Dieu est dépendant. To do what he says, God will supply all your needs. Dieu a dit qu'il pourvoira à tous nos besoins. Are you willing to do what's necessary to receive that blessing? Êtes-vous prêt à faire ce qui est nécessaire afin que vous puissiez recevoir cette bénédiction? Are you willing to obey God, to believe God, and to sow seed? Êtes-vous prêt à croire en Dieu? Êtes-vous prêt à être obéissant à Dieu? Êtes-vous prêt à s'aimer votre semence? So here's a very important thing to remember about giving God's way. Alors, il y a une chose très importante que vous devrez savoir en ce qui concerne donner selon ou à la manière de Dieu. Are you ready to hear it? Êtes-vous prêt à entendre? Here it is. Obedience brings the blessing. La voilà. L'obéissance apporte la bénédiction. Yes, sir. Yes, ma'am. Obedience brings the blessing. Oh oui, l'obéissance apporte la bénédiction. Just as it pleases a parent when their child receives the wisdom and is obedient. De la même manière qu'un parent est satisfait du fait que l'enfant ou encore leurs enfants ont reçu la sagesse et deviennent obéissants. Because the parents understand that what they're telling the child is wisdom and very important. Parce que les parents comprennent que tout ce qu'ils disent à leurs enfants sort de la sagesse et très important. I have one son. J'ai un enfant. And my son was... He used to get in trouble a lot. Et mon fils s'est souvent retrouvé dans des problèmes. His disobedience got him into trouble many times. Sa désobéissance là à plusieurs reprises conduit dans des problèmes. He would refuse to follow the rules. Il avait souvent tendance à refuser de poursuivre ou encore de sa adapté aux décisions. And it caused him many problems. Et cela a causé beaucoup de problèmes. So when he was a young boy, I would tell him, son, you're messing up things ahead in your life. Alors, étant parent, je lui disais souvent, fils, tu es en train de ruiner plusieurs choses concernant ta vie dans le futur. Your disobedience today will cause you trouble tomorrow.
Ta désobéissance d'aujourd'hui t'induira dans des problèmes et dans des complications dans le futur. And it's much like that with money. Alors, il en est ainsi avec l'argent. If we don't handle money properly, it's going to create problems. Si vous ne parvenez pas à gérer l'argent de la manière dont il se fait, vous vous retrouverez dans plusieurs problèmes. One of the important things that we need to remember is obedience brings the blessing. Alors, il y a une chose principale que vous devrez comprendre, c'est qui est que l'obéissance apporte la bénédiction. Now, I need to talk about obedience from a bigger point of view here. Alors, j'aimerais parler de l'obéissance dans un point de vue un peu vaste. We're not just talking about being obedient once or twice. Nous ne parlons pas ici d'être obéissant seulement une ou deux fois. We're talking about obeying godly principles as a lifestyle. Nous parlons d'obéir les principes divins en une manière continuelle. And if you were in the last class entitled Managing the Family Business. Can you repeat yourself, please, sir? If you were in the last class Managing the Family Business, that was the title of the class. Alors, si vous avez participé à la classe récente qui concernait le management de la famille, then you know that what we're talking about now sounds just like that class. Alors, vous comprendrez que ce de quoi nous sommes en train de parler présentement a quelques allusions avec la classe précédente que vous avez eu à voir. So let me make myself clear here. We're talking about a very important principle. Alors, j'aimerais mettre clair le fait que nous parlons des principes qui sont très capitaux et importants. And the principle is walking in obedience with God. Et ce principe, ou encore l'un de ces principes, est de marcher dans l'obéissance avec Dieu. We please God when we obey Him. Nous plaisons à Dieu lorsque nous lui obéissons. Now, understand it this way. We should obey Him simply because He is God. Alors, vous devrez comprendre que nous ne devons pas seulement obéir à Dieu parce qu'il est Dieu. Amen. We should obey Him because we love Him. Parce que nous devons lui obéir basé sur le fait que nous l'aimons. And if we love Him, we are persuaded that He loves us. Alors, si nous l'aimons, nous sommes persuadés que lui aussi nous aime. Because God initiated our salvation experience by love. Parce que Dieu a initié le processus du salut dans nos vies par l'amour. God so loved the world that He sent His Son Jesus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. The Bible says that faith works by love. La Bible dit que la foi travaille par l'amour, est effective par l'amour. Amen. So we please God when we obey Him. Alors nous plaisons à Dieu quand nous lui obéissons. And we obey Him because we love Him. Et nous lui obéissons parce que nous l'aimons. You see, there's a big difference in being obedient out of love than being obedient because of the rules. Il est très important de savoir qu'il y a une différence entre être obéissant parce que nous aimons ou encore être obéissant parce qu'il y a des lois et des principes à respecter. Amen. So again, let me say, obedience brings the blessing. Alors, laissez-moi vous répéter encore que l'obéissance apporte la bénédiction. So therefore, we must make whatever adjustments necessary, amen, to live an obedient lifestyle. Alors, il est pour nous important et nécessaire de s'arranger à ce que nous vivons un mode de vie qui est influencé par l'obéissance. The Bible speaks of many blessings, not just financial blessings.
La Bible parle de plusieurs bénédictions, non seulement des bénédictions financières. Many, many blessings are available when we walk in obedience together. Il y a plusieurs bénédictions qui nous sont disponibles lorsque nous marchons dans l'obéissance avec Dieu. Let's look at Deuteronomy chapter 28. Lisons le chapitre 28 du livre de Deutéronome. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Deutéronome chapitre 28, le verset premier. La Bible déclare, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » OK, what did you agree? Deuteronomy chapter 28, verse 1. OK. I'm going to ask you to read. Wow, there's a lot there. All right, read verse number 2, verse number 4, and verse number 7. Verse number 2, verse number 4, and verse number 7. Mm-hmm. Alors, nous allons continuer notre lecture en lisant le verset 2, le verset 4, ainsi que le verset 7. Deutéronome, chapitre 28, le verset 2. L'Écriture déclare, « Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. » Le verset 4, lis ce qui suit. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Finalement, le verset 7 lit ceci. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par cet chemin. Isn't that wonderful to know? Cela est une chose merveilleuse à savoir. The Bible says that all of these blessings shall come on you and overtake you. La Bible dit que toutes ces bénédictions viendront et s'accapareront de toi. In other words, you will be so blessed, you'll be saying, "Oh my goodness, I am tremendously blessed." En d'autres termes, vous serez tellement béni que vous vous direz, « Oh mon Dieu, que je suis étonnamment béni. » Why do I say that? Pourquoi est-ce que je suis en train de le dire? Because verse number 4 says that the fruit of my body will be blessed. That's my children. Parce que le verset 4 est en train de dire que le fruit de mes entrailles ou encore de tes entrailles seront bénis. Et cela fait allusion à vos enfants. This passage was written to a people who were big in agriculture and farming. Ce verset a été écrit pour ces gens qui sont fermiers ou encore qui sont impliqués dans l'agriculture. So God is saying your children will be blessed. Your crops will be blessed. Your cattle will be blessed. Ce qui veut dire que vos enfants seront bénis, vos bétails seront bénis ou encore vos champs seront bénis. Amen. Verse number 6 says, you will be blessed wherever you go. Et le verset 6 est en train de dire que tu seras béni partout où tu vas. Verse number 7 says that if we obey God, even our enemies will find themselves in trouble. Alors, le verset 7 est en train de dire que si nous obéissons à Dieu, nos ennemis s'enfuiront devant nous par ces chemins. And it will be the kind of blessing that your enemies will know that God is stepping in and taking care of you. Alors ce sera ce
type de bénédiction où nos ennemis verront que Dieu est en train de prendre contrôle de la situation. Read verse number 9 for us, Brother Kai. Lisons rapidement le verset 9 de Deutéronome, chapitre 28. L'Écriture déclare, « Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. » That passage is saying that God will establish you as his personal people. Ce verset est en train de dire que Dieu t'établira comme quelqu'un de personnel dans les nations, parmi les nations. Everybody in the earth will know that you belong to God. Toute personne au travers de la terre saura que tu appartiens à Dieu. But the last part of the verse says, if you will keep the commandments of the Lord thy God and walk in his ways, that's obedience. Alors, la dernière partie du verset est en train de dire que si tu observes les commandements de l'Éternel et que tu marches dans ses voies, cela fait allusion à l'obéissance. So think about it. Blessing will come upon you personally. Can you please repeat yourself, sir? I said, think about it. Blessing will come on you personally. Alors, pensez à propos de ceci. La bénédiction viendra de manière personnelle sur vous. Everything that you own will be blessed. Tout ce que vous possédez sera béni. When we talk about the fruit of the ground and your cattle, that's as being addressed to entrepreneurs and business owners. Quand la Bible parle du fruit de nos entrailles ou encore de nos troupeaux, la Bible est en train de faire mention ou encore allusion aux entrepreneurs. Are you getting a hold of this? Est-ce que vous comprenez quelque chose avec ceci? Again, let's back up just for a moment. We're talking about giving God's way. Alors, nous sommes en train de parler de donner selon ou encore à la manière de Dieu. We're looking into the scripture to see what God has to say about our finances. Nous sommes en train de scripter les Écritures pour voir ce que Dieu a à dire en ce qui concerne nos finances. Amen. And we're coming to understand that obedience is very important. Alors, nous sommes arrivés à ce point où nous devons comprendre que l'obéissance est très importante. And it would be good to repeat that we're talking about living a lifestyle of obeying God. Alors, il est important ici de nous répéter qu'il est très important de vivre un style de vie qui est lié à l'obéissance envers Dieu. We said very early on that we can't just live any way we want to and expect God to bless us. Nous avons dit au commencement que nous ne pouvons juste pas vivre comme nous le voulons et espérer ou encore s'attendre à ce que Dieu nous bénisse. The heart of God is for us, his sons and daughters, to live a life with our ear tuned to him. Le cœur de Dieu ou encore la volonté de Dieu est que nous, ses enfants, devrions vivre ayant nos oreilles tournées ou encore penchées vers lui. And as we do that, we please God and he blesses us. Alors, quand nous vivons de cette manière, nous plaisons à Dieu et Dieu en retour nous bénit. So the blessings listed in Deuteronomy 28 belong to believers when we hearken to the voice of the Lord. Alors, la bénédiction ou encore les bénédictions que nous venons de lire dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, s'attacheront aux croyants si et seulement si il est obéissant à Dieu. We can expect those blessings to show up in our lives when we walk in obedience to God. Nous pourrons espérer ou encore s'attendre à ces bénédictions seulement lorsque nous marchons dans l'obéissance avec Dieu. Now, the key word in Deuteronomy chapter 28, verse 1 is diligently.
Alors, le mot-clé dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, le verset premier est l'obéissance. Amen. When we hearken, that is, pay close attention. Alors, il est écrit que si nous obéissons, ce qui veut dire prêter attention, In a way that shows care. prêter attention d'une manière attentive. So the attitude of the people of God should be, God, you know, you blessed me with this life, and I want to live it your way. Alors, l'attitude du croyant est de dire, Éternel, vous m'avez béni avec cette vie. J'aimerais bien la vivre selon votre manière. You've blessed me with breath in my lungs today, and I need you to be my guide. Tell me what to do. Tu m'as béni avec le souffle de vie. Alors, je veux que tu puisses être mon Dieu et me dire ce que je dois faire. Amen. So we have to hearken, that is, pay close attention. Alors, nous devons obéir, ce qui est lié au fait que nous devons prêter une attention. And then we pay close attention in a way that shows honor to God. Et nous devons prêter attention à une manière qui rend gloire à Dieu. Amen. So we're going to look at 1 Timothy chapter 4, verse number 8. Allons dans le livre rapidement, le livre de 1 Timothée, chapitre 4, le verset 8. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. 1 Timothée chapitre 4, le verset 8. Oops. 1 Timothée chapitre 4, le verset 8, l'Écriture déclare, Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tous ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. So the Bible is saying, you know, I go to the gym and so do a lot of other people, and so I know for myself that this is true. Alors, je sais très bien que cette écriture est vérité, est véritable. To get a good body, you have to work hard in exercise. Pour avoir un corps qui est bien formé, vous devriez vous exercer assez souvent. You have to be willing, to take control of your diet. Vous devez être volontiers à prendre soin de votre manière de manger. And then you have to exercise regularly, all kinds of exercises. Et ensuite, vous devrez vous exercer et avoir toute forme d'exercice physique. And you have to continually, you have to have a lifestyle of exercising. Alors, cet exercice doit se faire de manière continuelle. Vous devez vivre une vie de continuité en ce qui concerne l'exercice physique. Because if you don't, the muscle that you work hard to get will fade away. Parce que si vous ne le faites pas, les muscles pour lesquels vous vous exercez s'en iront. So it takes hard work to get fit and muscle. Alors, il est important pour nous de travailler dur afin de pouvoir avoir des muscles et un corps bien bâti. But the scripture says it profiteth little. In other words, it only lasts for a little while. Mais l'Écriture est en train de dire que cela n'est utile que pour peu de choses. Okay? And but on the other hand, it's saying a godly lifestyle is profitable all the way across the board. Alors, la prochaine chose que l'Écriture est en train de dire, que une vie de piété est profitable pour toute la vie. Amen. Let me say it this way. Laisse-moi vous le dire en cette manière. Godly living is profitable in every area of our life. Alors, une vie pieuse est profitable dans tous les domaines de la vie du croyant. Godly living brings benefit to our physical body, our marriage, or our single life. Une vie pieuse apporte
plusieurs bénédictions à notre vie personnelle, à notre vie de mariage et à notre vie quotidienne. Godly living will also bring balance and financial well-being. Une vie pieuse apportera une balance et une vie financière assidue ou encore affermie. And again, godly living is another way of saying being obedient to God. Une vie pieuse n'est en d'autres termes que le fait d'avoir une vie qui aussi est obéissante à Dieu. So take just a second and think about it again. What are we talking about? We're talking about obedience to God, bringing blessing on our life. Nous sommes en train de parler du fait que l'obéissance à Dieu apporte la bénédiction dans nos vies. Giving God's way requires an obedient lifestyle. Permettre à Dieu d'agir dans nos vies demande à ce que nous puissions avoir un mode ou encore style de vie d'obéissance. We looked at Deuteronomy chapter 28 and we learned a lot of things. Nous avons tout juste lu Deutéronome chapitre 28 et nous avons appris plein de choses. We learned in that passage that God will bless our business, our family, and our finances. Nous avons appris dans ce passage que Dieu bénira notre business, notre famille, ainsi que nos finances. And I absolutely love the way that God had it written. These blessings will come upon you and overtake you. I think everybody wants that. J'aime bien le fait que l'Écriture est en train de dire que ces bénédictions viendront vers nous et s'empareront de nous. Et je suis sûr que vous aussi, vous aimez cette Écriture. Think about it. We'll be blessed when we come. We'll be blessed when we go. Everything we have and everybody in our household will be blessed. Pensez à propos de cela. Nous serons bénis quand nous partons. Nous serons bénis quand nous arriverons. Nous serons bénis dans tout ce que nous faisons et tout ce que nous possédons seront bénis. That, my dear brothers and sisters, is what we call a win-win situation. Alors ceci, frères et sœurs, est ce que nous appelons une partie gagnée pour les deux camps. I meant to tell you guys earlier that if you have a question, you can write it down and we can talk about that at the end of our class. J'aimerais juste vous dire rapidement que si vous avez une question, vous pouvez juste l'écrire dans la section des messages et à la fin de cette leçon, nous les lirons. Some of you already know this. Just write your question in the chat and we'll get to it at the end of class. Vous pouvez juste rapidement les écrire dans la section des messages et à la fin de la session, nous aurons l'opportunité de les lire l'une après les autres. Amen. So giving God's Amen. Way, giving God's way requires something of us. Alors, donner à la manière ou selon Dieu nécessite autre chose. We have to commit ourselves to walk in obedience to God. Nous devons nous engager à marcher en obéissance avec Dieu. And God has committed himself to bless us when we do that. Et Dieu s'est personnellement engagé à nous bénir lorsque nous vivons de cette manière. Now, I'm impressed in my spirit to say something here. Alors, je suis poussé par l'esprit de dire ceci. You know, sometimes we go to work and we work our jobs and we receive our paycheck. Alors, il arrive des fois où nous allons au travail et nous travaillons et nous avons notre salaire. And so we say, this is my paycheck, I work for it, it's mine. Alors nous nous disons, voici, ceci est notre salaire, nous avons travaillé pour ceci. But the truth of the matter is, we are just a steward of the finances that we make. Alors, la vérité est que nous sommes très assurés de ces finances que nous avons eu à produire. Everything comes from God. Every good and perfect gift comes from God. Alors, toute chose, tout don parfait provient de Dieu. Amen. Amen. If we didn't have a life and we didn't have breath in our lungs, and both of them come from God,
then we couldn't have a job or work for a paycheck. Alors, si nous n'avions pas des poumons avec quoi respirer, si nous n'avions pas le souffle de vie qui est un don de Dieu, nous n'aurons pas eu cette opportunité d'avoir un travail et de travailler pour avoir un salaire. Praise the Lord. I mean, if we really think Gloire about au Seigneur. When we really think about it, we could not be successful without God's help. Alors, si nous pensons de cette manière, nous dirons que nous ne pourrons jamais être avoir du succès sans la bénédiction de Dieu. Praise the name of the Lord. So God has set us up to succeed. Alors Dieu nous a conçus d'une manière à ce que nous puissions réussir. I want to say that again. God has put a successful plan together for us. Repeat yourself, please, sir. God has set us up for success. Dieu nous a établis pour réussir. He has a plan to make us financially secure. Il a un plan afin de nous rendre financièrement stables et sécurisés. And what we need to do is receive it, believe it, speak it, and act like it. Alors, ce que nous devrions faire est recevoir cela, le croire et agir en fonction de cela. And then watch God do what he says he will do. Et finalement, regarder Dieu faire ce qu'il a dit qu'il fera. See, there are people who do what God says every so often. Il y a plusieurs personnes qui voient Dieu agir de manière régulière. Now, pay attention to what I said. There are some people, not everybody. Prête attention à ce que je suis en train de dire. Il y a certaines personnes, pas tout le monde. But some people will be obedient to God every now and then. Il y a peu de personnes qui seront obéissantes à Dieu maintenant et toujours. But if they have a problem or an emergency, they want God to show up immediately. Le problème est que ces personnes veulent voir Dieu agir de manière instantanée. But in the scripture, God is calling for qualified people. Mais dans les Écritures, Dieu est en train de chercher des personnes qui sont qualifiées. And in case you don't know it, we are qualified for this blessing through Jesus Christ. Et vous devrez savoir que nous sommes qualifié à recevoir ces bénédictions au travers de Jésus-Christ. When we hear the gospel about God's love and receive his son Jesus Christ, that qualifies us for this blessing. Lorsque nous entendons l'évangile du salut et que nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cela nous qualifie afin de pouvoir être récepteurs de la bénédiction de Dieu. So God is looking for qualified people who are willing to live a lifestyle of obedience. Alors, Dieu est à la recherche des personnes qui sont qualifiées et aussi qui sont volontiers à vivre un style de vie qui est obéissant. Why is he doing that? Pourquoi est-il en train de faire cela? So he can bless you. Parce qu'il veut nous bénir. Plain and simple. So he can bless you. Parce qu'il veut te bénir. A simple definition of the word blessing is to be extremely well off. Une simple définition de la bénédiction est être extrêmement riche. To be blessed means to have no lack. Être béni signifie n'avoir aucune chose qui manque. So I want to say again, isn't that wonderful? Alors, j'aimerais le dire encore, n'est-ce pas merveilleux? The Bible says that God has created us, and that is the human race. La Bible dit que Dieu nous a créés en parlant de la race humaine. He created us by himself and for himself. Il nous a créés par lui-même et pour lui-même. God gave us life so that he can enjoy us.
Dieu nous a donné la vie afin que nous puissions et qu'il puisse aussi s'en réjouir. God sent Jesus so he could bless us. Dieu a envoyé Jésus afin que nous puissions être bénis. So whatever we need to change to line up with the word of God and walk in obedience is worth it. Alors, tout ce que nous devons faire est s'aligner à la parole et la volonté de Dieu et être obéissant, parce que cela en vaut la peine. Tell them I see all the beautiful hearts and thumbs up. Le pasteur est en train de dire qu'il peut voir tous vos cœurs et tous vos points OK que vous êtes en train de poster. And because this is such good news, et parce que ceci est tellement une bonne nouvelle, I just want to say hallelujah. Je veux juste te dire hallelujah. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. Amen. So, amen. It's necessary to obey God and to obey him quickly. Alors, il est nécessaire d'obéir à Dieu et non seulement l'obéir, mais l'obéir instantanément. Amen. Amen. So, obedience brings the blessing and it must be a lifestyle of obedience. Alors, l'obéissance apporte la bénédiction et nous devons vivre un mode de vie obéissant. Amen. All right. Amen. So, we're going to unplug here today. And I'm going to ask you, brother, if you would again give us those announcements. Now, hold on for just a minute. I think I'm going to do something different. Yes, sir. So, did anybody get anything out of this lesson today? Y a-t-il quelqu'un qui a reçu ou encore qui a été béni en écoutant la leçon de ce soir? Amen. Praise the Lord. Amen. Gloire au Seigneur. Yes, praise God. Gloire au Seigneur. So let me say before we close today. Alors, permettez-moi de vous dire ceci avant que nous puissions clôturer cette session. When it comes to our finances. Alors, en ce qui concerne nos finances. If we want something different. Si nous désirons quelque chose de différent, then we have to do something different. Alors nous devons faire quelque chose de différent. That's true with our marriages, that's true in our relationships, that's true in our finances. Cela est vrai dans nos mariages, cela est vrai dans nos relations et cela est vrai dans notre vie quotidienne. That is true in our relationship with God. Cela est vrai dans notre relation avec Dieu. So if you're a person that's saying, you know, I love God, and but I know that I can do better. Alors, si vous disiez personnellement que j'aime Dieu, mais je ne peux pas faire meilleur. Consider making some decisions in this direction. Alors, considérez que vous devrez prendre certaines décisions concernant cet aspect. It's good that we're in this study together to find out what it takes to be blessed. Il est important que nous nous retrouvions dans cette étude afin de pouvoir trouver et découvrir ce qui nous doit être fait afin de pouvoir être béni. God is dependable and faithful to us. Dieu est dépendant et fidèle à nous. And he deserves no less from us as well. Et il ne mérite rien de mineur ou encore de moins de notre part. So as we close our session today, I want to give you an opportunity to sow into the ministry. Alors que nous sommes en train de finir notre session de ce soir, j'aimerais bien vous donner l'opportunité de planter ou encore de s'aimer dans le ministère. There is no cost for the classes. They are free. Repeat yourself, please, sir. There is no cost for these classes. They are free. Il n'y a point des prix que vous payez, ces leçons vous sont dispensées gratuitement. But many times when someone's heart is touched by the word of God, their response is that they desire to give.
Repeat yourself, please, sir. Many times when someone's heart is touched by the word of God, they respond by giving. Alors, à plusieurs reprises, lorsque quelqu'un est touché dans son cœur par la parole de Dieu, la réponse à cela est de s'aimer ou de planter une sémence. And so if that's you today, we want to give you an opportunity to do so. Alors, c'est en ligne avec cela que nous aimerions vous donner une opportunité de s'aimer ce soir. In the Bible, in the Gospel of Luke, chapter 6, verse 38. Dans l'évangile de Luc, chapitre 6, le verset 38. Amen. Would you read that for us, brother? Luke, chapter 6, verse 38. Yes. Alors, nous lisons l'évangile de Luc, le chapitre 6, le verset 38. L'Écriture déclare, « Donnez, et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Amen. Amen. Give and it shall be given unto you, good measure, pressed down, shaken together, running over. So would you let them know how they can give online for us? Il est écrit que vous donnez et vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Can I give them the details? What's that now? Sorry, sir. Oh, no, I just want to pray over the offering, okay? Father, we thank you and we praise you for this beautiful class. Père, nous te disons merci pour cette merveilleuse session. And as we give an offering, we ask that you would bless it and multiply it. Alors que nous sommes en train de t'offrir, nous prions que tu la multiplieras et que tu nous béniras. So that we can continue to sow into your kingdom. Afin que nous puissions être à mesure de planter dans ta moisson. We thank you for this opportunity to hear your word. De disant merci pour cette opportunité d'entendre ta parole. And to walk it out in our lives. Et de la vivre dans nos vies quotidiennes. In Jesus' name we pray, amen. Dans le nom de Jésus, nous prions, amen. Praise the Lord. All right, brother, if you repeat those offerings, because there may be someone that joined the class that wasn't here when we got started. I must repeat what, sir? Yes, the announcements. Okay. Alors, nous aimerons bien vous tenir informé du fait que, en plus de Zoom, nous diffusons également en direct depuis notre site web www.etudebibliquekbm.com. Si vous êtes déconnecté pour des raisons quelconques et que vous ne parvenez pas à vous reconnecter pendant nos réunions Zoom, vous pouvez simplement vous rendre sur notre site web et vous connecter à partir de là. Alors, si vous avez Dieu TV ou encore Max TV, notre programme télévisé intitulé « Life, Live Your Faith » est diffusé ce soir tous les mardis à 22h. D'Europe centrale. Assurez-vous de vous connecter et d'entendre un mot de la part du pasteur Keith Butler. Et en addition, nous avons un programme intitulé Woman to Woman avec le pasteur Deborah Butler. C'est une émission de chat pour les femmes. Peut-être regardez sur Dieu TV le premier mercredi du mois à 22h heure d'Europe centrale. Et finalement, nous aurons notre prochaine réunion en présentiel à Marseille et à Paris le samedi 7 janvier 2023. Pasteur George Rigo, notre directeur européen de KBM, sera là avec un mot d'encouragement pour vous. Veuillez visiter notre site web d'études bibliques pour connaître les heures et les lieux de ces réunions. Merci. Amen. Okay, brother, finally, I see that there's a number three by the Q&A. I looked at it. I am still.
I am seeing some questions here. Okay. We have four questions. Okay. I am going to read the first one from Mumu Fontaine. And she's saying, or he's saying, they love God, but they, okay, she says that she loves God, but she has not always been obedient. And she's asking if God shall put her aside. She loves God, but she has not always been obedient. Now she's asking if God shall put her aside or kind of reject her. Tell her the answer is no, God will not put her aside. And alors, Mumu Fontaine, le pasteur est en train de répondre à votre question en disant que Dieu ne vous mettra pas de côté et tell her that disobedience is a sin. Et il aimerait que tu puisses savoir que la désobéissance est un péché. But in the Bible, the book of 1 John, chapter 1, verse 9. Dans la Bible, dans le livre de 1 Jean, chapter. The Bible says, if we confess our sin, he will be faithful. 1 John, sir, please. Pardon? 1 John, chapter. 1 John, chapter 1, verse 9. 1 John chapter 9, chapter 1, verse 9. Alors, le pasteur aimerait que nous puissions lire rapidement 1 Jean chapitre 1er. 1 Jean chapitre 1er, le verset 9. L'Écriture déclare, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. So what you just read was if we confess our sin, he is faithful and just to forgive us? Exactly, sir. Yes. So tell her what she needs to do is ask God to forgive her. He will do that according to that scripture, and she. Alors, le pasteur aimerait savoir et aimerait vous dire que tout ce que vous avez à faire est de demander à Dieu de vous pardonner en conformité à 1 Jean, chapitre 1er, le verset 9, et Dieu vous pardonnera. OK, next question. OK, the next question from Daniel Poses. They are asking how to know if it is the will of God when you walk. Okay. Okay, they are asking how to know if it is the will of God to go out with family or with the family or friends to some events that are not, I need to get this one right, sir, please. Okay. They're asking how to know it is the how to know if it is the will of God to go out with some family members that are not Christian, because that is not written in the Word of God. They are asking how to know if it is the will of God to go out with some family members to some events, yet those family members are not believers, but they do not live a life that is according to the Word of God. Okay. Say to the class, I'm going to answer the question, but I should have let them know that I'd only be asking questions in line with what we taught.
Alors, le pasteur aimerait vous tenir informé du fait qu'il ne répond qu'aux questions qui ont trait à la leçon de ce soir. Should we go for the next question, sir? Yeah, give them first chapter of the question about going out with family members. Give them First Timothy chapter 2, verse number 4. Alors, le pasteur répond à votre question, Daniel, en lisant 1 Timothée, chapitre 2, verse. 1 Timothée, chapitre 2, verse. Four. Ok, le pasteur répond à votre question, Daniel, en lisant le livre de 1 Timothée, chapitre 2, le verset 4. L'Écriture déclare, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Okay. So tell them that God wants men to be saved. So go with their love, go with his family, love them. Alors le pasteur aimerait que vous puissiez savoir que Dieu veut que toute personne soit sauvée. Votre responsabilité est d'aimer ces personnes. And pray that God will use him among his Et family. de prier que Dieu puisse vous aider en faveur de votre famille afin qu'elle soit sauvée. Okay, next question. The next question is from an anonymous. And it has nothing to do with today's lesson. Should we read it or cancel it? No, I'm going to cancel it because I have to set the precedent. Otherwise, I'll keep getting questions that are not related to the lesson. All right, sir. Let me look at the last one. Well, the last one as well has nothing really to do with today's class, but it is about someone that have sent a message because they wanted to sow a seed, but up to now they have not received a response. Okay. So, Yeah, I'll be sure to. I'm not going to take the time to address that because I've already dismissed the class. But I'll be sure to tell them in the future to only ask questions in line with the lesson. alors, Okay? le pasteur voudrait que vous puissiez savoir que nous ne posons des questions qui ne sont liées et attachées qu'à la leçon du jour. All right. God bless you, my brother. You tell him goodbye, and we will see them next week at the same time. Dieu vous bénisse. Nous nous reverrons la fois prochaine, la semaine prochaine, à la même heure. All right. God bless you, brother. Bye-bye. Oh. God Sorry. bless you too, man of God. All right. See you next time. All right, sir.